هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Les miséricordieux, les très miséricordieux. Les mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, est preuve claire de guidance et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ces mois, qu'il jeûne, et celui qui est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Dieu veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Afin que vous complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur de Dieu pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Sourate 2, la vache, verset 185. Chers frères et sœurs, le mois de Ramadan est un mois de miséricorde du Seigneur envers ses adorateurs. C'est un mois inégalé en mérite et valeur. Pour pouvoir profiter de ce mois béni, nous devons connaître sa vraie valeur, les bénédictions qui y sont cachées, sa philosophie et nos devoirs envers ce mois. Le prophète Mohammed, paix sur lui, et sa famille a dit: si les serviteurs savent ce que cache le mois de Ramadan, ils auraient souhaité que toute l'année soit Ramadan. L'imam Sajjad, paix sur lui, dit: ô mon Dieu, prie sur Mohammed et sur sa famille. Inspire-nous la connaissance de sa grâce du mois Ramadan et la majesté de son caractère sacré. Chers croyants, le mot Ramadan en arabe vient du mot Ramada, qui signifie chaleur intense du soleil. Le saint prophète, paix sur lui et sa famille, dit: le mois de Ramadan a été nommé Ramadan car il brûle les péchés. Selon des hadiths transmis par nos infaillibles, paix sur eux, il est déconseillé de prononcer le mot Ramadan tout seul. Il faut dire mois de Ramadan pour faire la différence entre le mois de Ramadan et le nom de Dieu, car Ramadan est un dénom de Dieu. Il est rapporté de l'imam Al-Bakr, paix sur lui: ne dites pas c'est Ramadan, ou Ramadan arrive, ou Ramadan est fini, car c'est un nom de Dieu, et Dieu ne vient pas ou ne part pas, il est toujours là. Chers frères et sœurs, dans les sermons de l'accueil du mois béni de Ramadan, le messager de Dieu, paix sur lui et sa famille, a dit: ô gens, le mois de Dieu est arrivé à vous avec la bénédiction, la miséricorde et le pardon. C'est un mois auprès de Dieu qui est le meilleur des mois. Ces jours sont les meilleurs du jour, ces nuits les meilleures des nuits, ces heures les meilleures des heures. C'est un mois durant lequel vous êtes invités à être les hôtes de Dieu et vous êtes placés au rang des gens honorés. Votre respiration est glorification et votre sommeil adoration. Vos bonnes actions sont acceptées et vos demandes exaucées. Alors, demandez à Dieu, votre Seigneur, avec une intention sincère et un cœur pur, de vous faire réussir le jeûne et la lecture de son livre, car misérable est celui qui se trouve privé du pardon de Dieu pendant ces mois grandioses.
Le saint prophète, paix sur lui et sa famille, a dit dans un autre hadith, quand le croissant lunaire apparaît, les portes de l'enfer se referment et les portes du paradis s'ouvrent et les démons sont enchaînés. Et a dit aussi, les portes du paradis s'ouvrent la première nuit du mois de Ramadan et ne se referment qu'à la fin de sa dernière nuit. Chers croyants, le mois de Ramadan est un mois béni. Ces versets et ces hadiths nous donnent un aperçu de son mérite et de sa grandeur. Je résume ces points importants. Le mois de Ramadan est un mois de Dieu. Les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont refermées. Les démons sont enchaînés pour faciliter la tâche du jeûneur. Les croyants sont les hôtes de Dieu. Dieu vient vers ses serviteurs et leur ouvre les portes de la réussite. Dieu accueille ses hôtes par le pardon et leur remercie par l'acquittement du fait. C'est le meilleur des mois, mois de miséricorde, bénédiction et pardon. Les demandes des serviteurs sont acceptées. La présence de la nuit du destin dans ces mois qui est meilleur que mille mois et dont le destin de l'homme en dépend. Le Coran a été descendu durant ces mois, mais aussi les autres livres célestes selon le hadith. Les anges descendent sur terre durant la nuit du destin. Jeûner est rendu obligatoire durant ces mois. Chers frères et sœurs, une question se pose. Est-ce seulement durant ces mois que Dieu est miséricordieux et accepte les invocations? Dieu est toujours miséricordieux et pardonneur et accepte les invocations et les pardons, que cela soit en mois de Ramadan ou durant les autres mois. Dieu le Tout-Puissant dit dans les Saints Corans, « Ô mes serviteurs qui ont commis des excès, à son propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car Dieu pardonne tout péché. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate le groupe Az-Zumar, verset 53. Mais vu la particularité de ces mois et l'obéissance particulière des serviteurs durant ces mois à leur Seigneur, où ils laissent même ce qui est licite durant les autres mois, et supportent la faim et la soif, et s'éloignent de tout ce qui est interdit pour accomplir les souhaits de Dieu. Ainsi qu'il est tout à fait normal que le très miséricordieux récompense ses adorateurs par des faveurs spéciales. Chers croyants, nos infaillibles, paix sur eux, ont transmis des actes à accomplir durant ces mois. Par exemple, éviter les actes illicites. Après que le saint prophète, paix sur lui et sa famille, finit de prononcer son sermon sur les mois de Ramadan, l'imam Ali, paix sur lui, dit, « Je me suis levé et j'ai demandé, ô l'envoyé de lui, c'est quoi le meilleur acte durant ces mois ?» Il a, paix sur lui et sa famille, répondu, « Ô Abul Hassan, le meilleur acte durant ces mois est de s'éloigner des interdits de Dieu. » Glorifier Dieu et chanter sa grandeur, Dieu a dit, « Afin que vous complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur de Dieu pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. » L'imam Sadiq, paix sur lui, nous rapporte quand c'était le mois de Ramadan, l'imam Sajjad, paix sur lui, ne parlait que pour invoquer, glorifier, demander pardon à lui et chanter sa grandeur. Éviter les paroles inutiles et illicites, le saint prophète, paix sur lui et sa famille, a dit, gardez votre langue.
Passer son temps à lire les livres de Dieu, le saint prophète, paix sur lui et sa famille, a dit, lisez beaucoup le Coran durant ces mois. Jeûner la journée et prier la nuit, l'imam Sajjad, paix sur lui, dit, ô mon Dieu, aide-nous à jeûner durant son jour et à prier durant sa nuit. Renouer les liens de parenté et se rapprocher de ses voisins. L'imam Sajjad, paix sur lui, dit, ô mon Dieu, fais que nous arrivions durant ces mois à établir les liens de parenté par les biens et les rapprochements, à prendre soin de nos voisins par bienveillance et donc. Faire l'aumône. Le saint prophète, paix sur lui, et sa famille dit, faites l'aumône à vos pauvres et à vos indigents. L'imam Sajjad, paix sur lui, dit, ô mon Dieu, fais que nous arrivions durant ces mois à purifier nos biens des impuretés par l'aumône. Être indigent. Le saint prophète, paix sur lui et sa famille, dit, soyez affectueux envers les orphelins des autres. Soyez miséricordieux envers vos jeunes. C'est lui qui réduit durant ces mois les charges de ses domestiques, lui allégera son compte le jour du jugement. Invoquer Dieu et lui demander pardon et faire de longues prosternations. Le saint prophète, paix sur lui et sa famille, dit, allégez les péchés par le prolongement de vos prosternations. L'imam Ali, paix sur lui, a dit, augmentez durant les mois de Ramadan l'invocation et la demande de pardon, car l'invocation fait partir la calamité et le pardon fait disparaître vos péchés. Priez beaucoup sur les saints prophètes. Les saints prophètes, paix sur lui et sa famille, a dit, et celui qui prie beaucoup sur moi durant ces mois, Dieu alourdira de bonnes actions sa balance, les jours où les balances s'allégeront. Donner les repas de la rupture du jeûne, le saint prophète, paix sur lui et sa famille, dit, évitez l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Donner les repas de la rupture du jeûne, le saint prophète, paix sur lui et sa famille, dit, évitez l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Donner les repas de la rupture du jeûne, le saint prophète, paix sur lui et sa famille, dit, évitez l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date offrée pour la rupture du jeûne. Imam Sadiq, paix sur lui, a dit, celui qui donne à un jeûneur un repas de rupture d'iftar aura la même récompense que le jeûneur. Veiller la nuit du destin. D'autres actes sont recommandés durant ces mois, comme lire certaines invocations spécifiques. Pour plus de détails, c'est référé au livre Mafatih al-Jinan, par exemple, ou autre. Chers croyants, le saint prophète, paix sur lui et sa famille, a dit, malheureux et celui qui est privé du pardon de Dieu durant ces mois grandioses. Et il a dit aussi, celui qui n'est pas pardonné durant les mois de Ramadan, durant quel mois sera-t-il pardonné? Les moyens mis à notre disposition ne servent à rien si nous avons choisi de suivre notre propre passion et si nous avons décidé de désobéir à notre Seigneur. Dans ces cas, il n'y a plus d'espoir de Dieu. Seuls les vrais croyants répondent à l'appel et utilisent ces mois pour se purifier. D'où peut-être l'appel de Dieu lancé uniquement pour les croyants. Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Peut-être attendriez-vous la piété. Sourate de la vache, verset 183. Que ce mois de Ramadan nous apporte la purification de nos âmes.
la santé, la joie, la quiétude, la sérénité, la prospérité et un retour sincère vers notre Créateur. Que Dieu agrée notre jeûne, renforce notre foi, nous guide dans les chemins de ce qu'il a comblé de faveur, non pas de ceux qui ont encouru sa colère, ni des égarés. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.